Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un petit tuto tranquillou avec Puppycore sur Smalltribe en officiel. Il est 20h24, nous sommes le mercredi 24 mars 2021 et je voulais montrer un petit peu les capacités du Mégalocéros. Donc là on va pas faire un tuto pour tamer un Mégalocéros, ça sera plus tard. Là j'ai déjà un Mégalocéros qui est tamé. Donc il faut une selle, hein. Il faut une selle pour le Mégalocéros. Donc ce qui est bien sur le Mégalocéros, donc, c'est qu'il se défend bien déjà. Hein. Il a une très très bonne défense. Donc vous allez sur une montagne, hein, ça va, c'est assez rapide. Moi je lui ai mis du poids hein, à chaque niveau qu'il prenait, je lui mettais en poids. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut aller, ça grimpe bien déjà, hein. Ça grimpe très très bien. Donc voilà, là. J'ai mis en poids, il est où le poids, 522 kg en poids. Hein. Donc c'est pas mal, là j'ai 190 kg de métal. C'est du... Fais plus de bruit, il n'y a pas de problème. Vas-y, c'est bon. Je suis en plein tuto là, c'est bon. Voilà, non je parle à Patou là, c'est rien les gars. Voilà, donc une fois que je suis en haut de la montagne pour redescendre, donc au lieu de suivre un chemin qui va me prendre la tête et puis du temps, donc je vous montre les capacités du Mégalocéros, c'est le F, une fois qu'on est dessus, c'est ça, voilà. Donc de vie, il a que 540 de vie, hein. Bon, c'est pas terrible, mais bon. Donc au lieu de faire le petit... Oh là, attends, oh, il m'attaque pas lui, le Mégatherium, il m'attaque pas. Ah ouais. Tiens, c'est bizarre, hein. Non, il est juste à côté de moi, il m'attaque pas. Bon. Voilà, donc là j'ai ma base qui est en bas, vous voyez ma base là avec les pics et tout, c'est ma base. Donc je vais redescendre et je vais sauter. Allez hop, voilà. Regardez ce saut. Bing. Boum, voilà. Moitié de vie. Juste moitié de vie, c'est tout. J'étais qu'à 540. Et voilà, je suis... voilà. Donc si vous voulez échapper à des poursuivants, hein, et ben, vous avez le Mégalocéros. Pour s'échapper, vous pouvez sauter tranquillement. D'une haute montagne et puis vous les mettez dans le vent hein. Après si c'est en oiseau, si vous attaque en oiseau, il vous poursuit en oiseau et eh ben vous attaquez après la forêt hein. Vous allez dans la forêt et puis il voit plus que dalle lui, hein. C'est terminé hein. Voilà, donc c'était un petit tuto les capacités du Mégalocéros, que ce soit mâle ou femelle hein. Le mâle il a les cornes comme d'hab, et la femelle elle a pas de cornes hein. Voilà, ok. Voilà, c'était le saut du Mégalocéros. Allez, ciao, bye bye pour un prochain tuto. Bisous.